Qu'est-ce que la liberté de panorama? C'est un droit que vous pensez détenir lorsque vous postez sur Internet, sur Facebook ou Wikipédia, une photo d'un bâtiment ou d'une sculpture relativement récent, que vous apparaissiez sur le cliché ou non. Par exemple, vous vous prenez en photo devant la pyramide du Louvre ou devant les colonnes de Buren, ou encore vous prenez un cliché du viaduc de Millau. Vous pensiez naturellement pouvoir jouir de ce droit, puisque les bâtiments ou les structures se trouvent dans l'espace public, à la vue de tous, et que souvent ils ont été financés sur fonds publics. Or, c'est le droit privé qui s'applique, celui des auteurs, mais surtout celui des sociétés de perception et de répartition des droits, et ce, jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. À travers l'élaboration de la loi pour une république numérique, Wikimedia France a entrepris de militer pour cette liberté de panorama et a su se faire entendre. En effet, notre proposition de modification au texte s'est placée en 8e position des plus votées favorablement lors de la consultation citoyenne. À l'Assemblée nationale, ce sont 127 députés qui ont soutenu cette notion. En revanche, et malgré de bonnes intentions, nous déplorons une certaine maladresse dans l'écriture du texte qui a été voté à l'Assemblée nationale. Celui-ci entraîne plus de flou que de clarification. Ce problème peut être résolu lors du passage au Sénat. Encore faut-il que cette exception y persiste. Car à l'heure actuelle, l'alternative est simple. Soit vous prenez le risque d'encourir une peine de 300 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement, soit vos photos doivent ressembler à ça. Pour le maintien d'une liberté de panorama au Sénat, claire et sans restriction, signez notre pétition. Merci.